Genre, quelle soirée incroyable pour le VFC. Comment tu as vécu cette qualification en la Coupe de France? Je trouve que la première mi-temps, on la maîtrise très bien. Je trouve que c'est logique qu'on mène au score. Après, en deuxième mi-temps, on a un peu plus subi, mais sur garde-main, ils n'ont pas vraiment de grosses occasions. Le penalty, c'est même un peu con. Donc, je trouve que c'était un bon match, on a été solide. Et je suis vraiment content. Vraiment content pour le groupe, pour les supporters qui sont venus encore en nombre. Et je suis vraiment content pour eux. Un petit perso, tu arrêtes un penalty, bon, il reprend derrière, donc il marque, mais bon, tu l'avais arrêté. Et dans la foulée, en séance de tir au but, tu ressors un péno. Tu as travaillé cet exercice pendant les jours précédents? Forcément, avant les Coupes de France, tous les joueurs tirent les penalties, donc ça nous fait un exercice. Maintenant, c'est plus après avec le coach Perkis qui décortique les penalties, l'analyse vidéo, Thibaut, Hugo et même le coach. Tout le monde travaille là-dessus. Donc le mérite, non, il me revient pas qu'à moi, pas du tout. On bosse ça, ils bossent ça surtout, et puis après moi je suis dans les buts, donc ils me donnent des infos et je sais faire mon maximum. Comment vous avez réussi à vous relancer après avoir pris le but quasiment à la dernière minute et on se dit dans ces cas-là pour le coup de massue, comment vous avez fait pour rester concentré? C'est ce que je disais à la presse tout à l'heure, je trouve que c'est à l'image de notre saison. C'est à l'image de notre saison, on ne nous donne rien, le moindre erreur on la paye cash. On a fait vraiment preuve de caractère, donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et je suis très content du dénouement. Félicitations. Merci, c'est gentil. Et vous voilà en demi-finale, la Coupe de France, c'est incroyable. C'est beau, ouais, comme le disait le coach, je pense que c'est une très belle parenthèse pour les supporters, encore une fois, parce que depuis le début de saison, ils sont vraiment, vraiment incroyables. Même pour nous, franchement, ça nous fait du bien, parce que c'est quand même nous les acteurs, c'est nous qui vivons ça depuis le début, même si c'est aussi notre faute, on est les responsables. Mais c'est cool d'avoir ça à côté pour pouvoir kiffer, prendre du plaisir et puis voir maintenant qui on va jouer en demi. Et vous réalisez qu'au bout, il y a une finale de Coupe de France? Forcément, oui. Maintenant, ça paraît encore loin et en même temps, oui, comme vous le dites, c'est super proche. On verra en temps voulu, mais forcément, oui, c'est dans la tête. On se dit que oui, on est à une marge du Stade de France. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous.